J'ai participé à la formation dispensée par TAE, qui veut dire travailler et apprendre ensemble, sur le thème de l'inclusion. Je viens au TAE pour découvrir d'autres formes de gestion. TAE est un projet pilote du mouvement ATD Carmon dans le domaine de l'emploi, qui a pour ambition totalement démesurée de réinventer l'entreprise. Ce qui veut dire en gros que nous nous donnons un certain nombre de contraintes fortes, qui sont en particulier recruter des personnes qui sont très très loin de l'emploi aujourd'hui, et surtout ne pas les licencier, tout en essayant de faire en sorte que l'entreprise soit la plus économique et la plus rentable possible. Compte tenu de cette contrainte-là et des publics que nous accueillons, nous avons dû développer des savoir-faire managériaux qui sont très originaux et qui en font un modèle qui n'est absolument pas reproductible en tant que tel, puisque les contraintes du monde classique sont assez différentes, bien sûr, des contraintes que nous nous donnons, mais en même temps, qui peut être une source d'inspiration pour un management plus, je dirais, plus bienveillant, plus efficace et plus humain. On va juste résumer comment va se passer la journée. Donc le but, c'est que TAE donne des exemples précis et puis soit questionné sur son modèle. Je vous invite à vous approprier cette démarche à vous, à titre personnel, et donc de regarder qu'est-ce que vous, vous retenez de ces éléments. Et ce que je retiens, c'est qu'il faut quand même... on n'écoute jamais assez en bas. Alors moi, j'en repars, je suis quasi convaincue que le conflit peut faire progresser. Comment est-ce que dans les entreprises comme la mienne, on peut laisser le temps au temps et se dire qu'il faut savoir perdre un peu de temps pour en gagner ensuite ? C'est des temps rares en tout cas, et je l'apprécie d'autant plus. Moi, je trouve que cette journée est extrêmement riche. Il y a un savoir ici, managérial, que nous n'avons pas. J'essaie de noter tous les verbatims qu'on peut se dire. Et ça me nourrit dans mon action quotidienne. Merci.